en effet pas évident, de même en air guitare, de faire semblant de jouer de la guitare assis. Une fois n'est pas coutume, on s'est dit tiens, pourquoi pas rester dans notre bureau. En plus, comme ça, vous pouvez voir tout ce qui vous attend derrière vous et qui sont pas encore faits, mais qui seront faits dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Voilà, tous les disques qui arrivent et qui sont bientôt pour vous. Alors, deux chroniques. Hein, cette fois-ci, je vais essayer de pas déborder, j'ai bien dit deux, à commencer par la toute jeune Kofi. Alors seulement après 2 ans être devenue, écoutez bien, la première femme à remporter le Grammy du meilleur album reggae. Oui, oui, c'est une femme. Alors en plus, c'était un EP, donc un Essential Player, qui faisait que simplement 5 titres. La très très jeune prodige, donc Kofi, qui n'a encore que 22 ans, offre cette fois-ci un premier et véritable album, assez court quand même, puisque 30 minutes. Bref, mais intense. Alors, 10 titres mêlent, alors attention, le One Drop. Qu'est-ce que c'est que le One Drop, Ludo? Alors, c'est vrai, ça existe, hein, c'est un style qui existe. C'est du New Reggae Roots. Alors, Reggae Roots, alors le reggae des origines. Je vais essayer de faire très vite. Oui, en Jamaïque, il y a eu ce qu'on appelle le Mento, qui est l'ancêtre du ska et du rocksteady. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le mento, on peut le comparer au calypso de Trinité et Tobago, sauf que là, le mento en Jamaïque suivra donc le ska, le rocksteady. Et puis donc arrive dans les années 70, le reggae roots, qui arrive forcément avec Bob Marley, puisque tout le monde connaît Bob Marley, mais parce que moi je trouve qu'il y a un mais, on pourrait surtout parler de Jimmy Cliff, puisque en fait, il aurait dû être, il a été très connu, je dis pas qu'il ne l'a pas été, mais il aurait dû être presque la star au même titre que Bob Marley. Voilà, les circonstances ont fait que, et la production a bien mis en avant Bob Marley à l'époque. Mais oui, parce, pourquoi je vous dis Jimmy Cliff? Parce que figurez-vous que quand même un des plus grands premiers films à mettre en avant ce style musical est donc The Harder They Come, avec donc Jimmy Cliff, dans le rôle de Jimmy Cliff, mais bon, même si c'est un peu de la fiction. Et voilà, et puis suivra voilà d'autres péripéties qui feront que Bob Marley arrivera sur le devant de la scène. Mais voilà, donc du New Reggae Roots, Reggae Roots 60-70, je disais Bob Marley, Jimmy Cliff, et puis donc le One Drop, New Roots, mais au même titre qu'il y a eu la Soul dans les années 60 et qu'il y a une nouvelle Soul, et ben il y a un New Reggae Roots qu'on appelle aujourd'hui le One Drop en Jamaïque. Ouh, c'est bon. Alors elle mélange le One Drop, mais elle mélange aussi surtout le Dancehall, le Rub-a-Dub, un peu d'Afrobeat, Soul Reggae, qu'on appelle aussi le soul reggae, le lover's rock, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mélange un peu le rap et la trap musique. Oui, tout ça dans son album. Vous allez voir, elle a un flow quand même assez particulier et qui est assez unique. Des sonorités donc reggae roots se fusionnent à celles beaucoup plus modernes, entre aussi parfois une production un peu pop et R&B. Alors dans ce gift, gift ça veut dire doué. Je vous expliquerai pourquoi elle l'appelle doué. C'est pas simplement pour se regarder le nombril, même si elle l'est. Alors, un album où elle fait course en solo, ce qui est plutôt très très rare dans ce style musical, et surtout quand on sort un premier album. Alors, elle s'attaque à des sujets sensibles, forcément, voilà, elle parle de la Jamaïque, donc une société jamaïcaine en pleine souffrance, confrontée à la violence, et ça depuis un petit moment, et à la pauvreté surtout, une population démunie, donc face aux enjeux mondiaux, pardon, mais qui se bat. Alors, elle parle de son enfance, de là où elle est née, donc pas à Kingston, en fait, juste à côté, à 10 km de Kingston, le Spanish Town. Parle des sacrifices de sa famille quant à son éducation, et puis surtout, en fait, à sa carrière musicale. Donc, des messages, alors attention, même si c'est un message un peu dur, mais qui se veulent quand même plein d'espoir et d'amour, comme souvent dans ce style-là. Alors, des productions très, très soignées et un flow, je vous l'avais dit, assez unique, assez ravageur. Alors, moi, je trouve que tous les titres sont réussis. Elle s'impose donc comme la nouvelle voix VOX incontournable de la Jamaïque, et on va commencer à écouter donc avec un premier titre qui est assez drôle, puisque c'est donc un hommage à qui, donc à Bob Marley, puisqu'il y a un sample, là vous allez écouter de Redemption Sound, voilà, tiré de cet album Uprising, là inévitablement on va écouter ce sample, et elle chante justement sur ce sample, et c'est assez chantabilement, et c'est assez assez bien fait, voilà. Men a switch up, me remaining. The coffee cup still hot, yeah. Me a take it to the top, sucking up my ass, hotting up the block, yeah. Bring the fire to the coastline. It's a pleasure to be outside. In a high or in a low tide. El Shaddai, I am a provide. I go, oh, yeah. I'm glad I woke up today, yeah. Hey. Just as I woke up, I said it. Alors, évoque un petit peu plus Lauryn Hill sur Defend, avec ce flow, voilà, très marqué entre dancehall et rap.
Un titre très très court puisqu'il ne fait que 57 secondes. Youths are too brown and run for them safe. They look like gunshot around the streets. Them lately crime are frustrated alongside who created the emergency. Steady we can't escape it. Inflation crazy for the old lady. The poor baby no if or maybe. Turn my skin in a crime scene. Yellow tape it. Coffee no happy be the government favorite. Alors, celle qui suit un beat vaguement drill. Alors, je vous promets que ça existe aussi. Qu'est-ce que le drill ? Le drill, c'est ce qu'on peut comparer au grime UK. Le grime, c'est une branche en fait du rap, mais très anglo-saxonne. Voilà, on peut comparer ça à ça sur des accords de guitare plaqués. Tchink, tchink, shine. Avec un flow donc encore différent qui alterne le ragamuffin et le soul reggae. Fort. Sun's out is a siren, gun violence tiring. Rise up is a crime scene, them a try clean like hygiene. I wanna go chase my dream, but Babylon vampiring. Have them eyes for my better life, and that's why them say conspiring. Unless I'm my concert, no I see no hands up. Yeah, no red shirt. Donc le fameux gift, doué. Alors, doué, pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, je vous disais, c'est loin d'être un morceau auto-centré. Au contraire, en fait, c'est comme pour affirmer que ses compatriotes jamaïcains sont doués. Et c'est un message positif et d'encouragement pour les siens. Them can't lock me up from a dreadlock, yeah. Killing them boomer, yeah. Alors la balade de Lonely donc est un pur lovers rock donc du reggae soul que n'aurait pas renié Gregory Isaac, c'est une voilà figure emblématique du lovers rock. Moi c'est mon petit coup de cœur de l'album. Alors beaucoup plus R&B, musique urbaine avec Runaway, Raga, Dancehall et New Reggae Soul avec West Indies. Hey darling, beg you for pick up, I'm calling, yeah. Beg you for pick up, I'm falling, ooh. Beg you for pull up, no falling through, yeah. Call me, other little bit, yeah, yeah, yeah. Regular me pull up, he bends and chop it up. What is up, gas it up, flow like a quid up. New on finit avec Lockdown, donc qui résume à lui. Faut forcément que je bug à chaque fois, hein. C'est pas possible, je vais pas faire une chronique sans me tromper quand même, Ludo. C'était bien parti cette fois-ci. Donc à lui tout seul, tous les styles précités. If you love me, you should let me, you should let me, you should let me. No, and if you don't know, better feel let me, better feel let me, I better you let me go. Pulling up, pulling up, pulling up. Nobody deal with the bagel and talking. Me nothing now, we are chilling at apartments. Hope you don't mind me asking. Where will we go? When the quarantine thing done. Bon, voilà, on reste dans une thématique musique d'été. Hein. Là, c'est plutôt pour la journée. Alors, je le fais exprès. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, tout de suite, je passe à un style plutôt pour fin de soirée, donc toujours pour l'été, mais avec The Superman Lover. Alors oui, dit comme ça, on pourrait croire qu'on a affaire à un groupe. Pas du tout. C'est l'histoire d'un seul et unique homme, qu'en fait, il s'appelle Guillaume Atlan, qui donc sévit dans ce style-là, vous allez voir quel style, depuis plus de 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, ça fait 20 ans qu'il est sur la scène électro, et notamment laquelle ? La scène house et donc la French Touch. Voilà. Même des initiateurs, on peut dire ça, un des précurseurs voilà de la French Touch, au même titre que les Daft Punk, hein, plusieurs fois que je vous les cite, mais aussi, alors un autre album de The Superman Lovers, c'est seulement le quatrième, produit pas beaucoup, mais de qualité, en tout cas, donc au même titre que Daft Punk, je reprends mon discours, mais au même titre que Cassius, je vous les ai déjà cités, voilà, au même titre que Stardust, au même titre que Damon, je vous sors des albums avec des gens français aussi, mais qui sont peut-être un peu moins connus, Damon, voilà, entre autres, voilà. Et Étienne de Crécy aussi, pour ne citer que. Alors, en effet, tout de suite, on va écouter qui n'a jamais entendu le tube interplanétaire Starlight. Can you give me the fame? Can you tell me my game?
Forcément, vous avez tous dansé là-dessus. Toi aussi, Rémi. Mon chef qui est là-bas, qui dit rien, mais il écoute d'une oreille, on sait jamais. Des fois, je suis obligé de faire super attention à ce que je dis ce matin. J'étais obligé d'avoir des propos, de tenir mes propos. Bref, je continue. Donc oui, on est en 2001 avec Starlight. Et ce titre va propulser, alors notamment lui, mais surtout tous les Français outre-Atlantique. Et c'est pour ça qu'après on appelait ça donc la French Touch. Une musique donc électronique, avant tout pensée pour faire danser. La house à la française, avec des touches de disco-funk, bien évidemment. Alors, sur cet album, donc Superman Lover, voilà, Dominique Adlan, a beaucoup travaillé avec qui ? Avec Eric Chedeville. Eric Chedeville, c'est celui qui a travaillé, c'est l'ami de longue date, de qui ? De Guy Mann, ou Guy Manuel, de Homem Christo, donc il fait partie du duo Daft Punk. Alors, il a travaillé avec Chedeville depuis très longtemps, parce que ce projet est à la base, date de 2016, oui, 2016 déjà. Alors, il y a une version, en fait, pour certains DJ qui étaient plutôt trop pop et trop organique pour être mixé et pour être joué live et notamment à Ibiza puisque c'est, voilà, c'est l'endroit où il faut jouer, où on fait danser les gens. Alors, du coup, il reprend tout à zéro et il décide d'aller où? Je vous promets que c'est vrai. À Kiev, en Ukraine. Oui, en fait, il a une petite amie là-bas. Je fais voici gala, mais je vous dirai pourquoi. Ça a une importance quand même au niveau de certains titres, vous allez voir. Et alors là, donc du coup, il refait tout version esprit club, avec donc les influences hein, que je vous ai dit, donc surtout le disco funk, l'électro house, sans oublier évidemment, vous allez voir aussi ces influences pop et Britpop. Donc que quatrième album, musique de fête et de fin de soirée plutôt pour cet été. Alors on replonge dans l'univers si reconnaissable de The Superman Lover, avec donc des accents disco qu'on peut aussi retrouver dans les albums de Jamiroquai. Oui, Jamiroquai au tout début funky, disco funky, mais très tôt se met à une disco funk un peu électro, un peu dansante. Je vous montre différents albums de Jamiroquai. On retrouve un peu ça dans The Superman Lover. Voilà. Mais on retrouve aussi des sonorités un peu à la Moby, et surtout cet album-là qui a fait date. Hein, il y avait des samples de blues, voilà. Ça, pour les boucles et les samples utilisés. On retrouve aussi un petit peu le travail de Cerrone pour voilà le disco. Alors Cerrone, batteur, mais grand précurseur de la disco en France en tout cas. On retrouve aussi, alors là lui il est anglo-saxon, Dafresh. Je vous souhaite des noms comme ça pour ceux qui veulent s'amuser à danser le soir, Dafresh. Et puis on retrouve aussi inévitablement, puisque lui aussi fait partie des précurseurs, un peu de Bob Sinclair. Je vous ai jamais sorti celui-ci, voilà, parce que c'est les tout débuts et j'aime beaucoup ce disque-là, Paradise. Voilà. Voilà pour les influences. Alors, pour le titre, là, c'est assez marrant parce que, et ça a une fois encore une importance, voilà pourquoi je vous parlais de sa petite amie. Il n'y a rien. Parce qu'en fait, il s'est inspiré, donc, parce que cet album s'appelle Body Double, en Body Double, qui est en fait le nom de ce film de Brian De Palma, qui est en fait thriller érotico, où en fait un acteur qui perd son travail et qui va perdre sa femme, en fait va assister à un meurtre, et après voilà il y a toute une enquête, mais voilà, et surtout nouvelle conquête, perdre sa femme, perdre son métier, je vous dirai pourquoi ça a une importance. Donc voilà, alors ça commence très très fort avec Clock Soccer. Une introduction redoutable, French Touch, forcément, et disco funk, avec un peu une pop sautillante, voilà, comme vous voulez, mais en tout cas, c'est incandescent, c'est fiévreux pour les fins de soirée de cet été. On enchaîne avec Pigeon, électro-rock, entêtant, et petite touche de synthétiseur bien identifiable. Alors, une composition, moi, je trouve un petit peu à la Mister Oizo, donc Quentin Dupieux quand il réalise, et Mister Oizo quand il fait de la musique électronique. Donc, un poil un peu clownesque, et voilà. Et aussi, moi, je retrouve un petit peu de Rhinocéros. Alors, si vous ne connaissez pas ce groupe-là, moi, j'aime beaucoup, c'est un groupe qui mélange le rock, funk et l'électronique, instrumental essentiellement. Très très bon français. Voilà, moi j'y retrouve un peu de ça.
Je me souviens très bien du clip sur celle qui suit, My Only. Je vous promets, il est très très bien, allez le voir. Alors, avec un chanteur. Oui, parce qu'il y a aussi des invités. Ashley Setter, excellent clip, donc je vous le disais, où on voit en fait un couple qui se sépare. D'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que en fait, tout a été filmé, vous savez, à rebours, comme le film Irréversible pour ceux qui l'ont vu. Mais à un moment donné, on aperçoit justement une photo que sort la future ex-femme, où on le voit donc l'homme fauté avec une autre. Mais lui, il prend ça d'une façon assez guirette, il danse tout le long de ce clip. Et du coup c'est communicatif, moi je trouve que c'est très bien fait, c'est contagieux, on écoute. Open the window, let the sun shine in. You are the light that I've been waiting on. Look at the sky and I'm shivering. You are the blue that I've been missing. I can give my life to you and you could see my love. Voilà, Fresh Pop. Alors, avec Quietness After Desire, c'est là où je trouve qu'il évoque les travaux, en tout cas pour moi, de Moby, par les répétitions de samples. Voilà, un jeu Moog très façon aussi Marauder. Hein, je vous rappelle Marauder, Midnight Express, The Chase. On est un peu dans cet état d'esprit. Voilà. Alors là, très très Daft Punk, honnêtement, j'ai bien regardé entre 1 minute et 1 minute 30, avec des sons saturés, et pour repartir donc sur une électro house pour dance floor, un titre assez sombre, She Doesn't Care That I Know. Voilà, mais c'est pour repartir sur une French pop avec le titre qui s'appelle Tête à Tête, avec comme invité, alors ça c'est drôle, un duo inconnu, j'ai regardé, il s'appelle Obi et Kim, c'est un duo en fait de l'Est. La sauce prend bien, voilà, avec des paroles assez incongrues. Je peux prendre une douche avec toi? Ma vie est cassée, pas manger. Tu peux donner fromage à moi, s'il te plaît? Toi, Marie? Alors, un titre pour la gym tonique, Call My Name. Alors, un son très années 90 avec I Got To Know. Alors là, une fois encore, un invité, Geyser. En fait, donc c'est un pseudonyme, Gaël Bayamin, pas Benja, Bayamin, voilà. Qui, à l'époque, je vous fais la petite histoire, avait tapé dans l'œil Geyser de David Guetta et de Jean-Michel Jarre. Pour l'anecdote, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais on sait jamais. Je vous rappelle entre l'histoire entre David Guetta et Daft Punk. David Guetta qui est donc qui fait des soirées parisiennes, voilà, à Paris, et invite les Daft Punk, parce que alors eux, voilà, forcément, ils sont sur un piédestal, tout le monde les connaît. Ils mixent donc tous les soirs, et puis David Guetta demande à Thomas Bangalter s'il peut écouter ce qu'il a enregistré et ce qui sera le futur pour un album. Thomas Bangalter des Daft Punk dit ok, pas de problème, il le donne au label. Et voilà comment David Guetta sera propulsé avec son premier album qui sera vendu à plus de 300 000 exemplaires. C'était pour l'anecdote. Voilà, mais on écoute I Got To Know. Yeah.
Boomerang Boomerang avec le duo Tropical House Bo Mozambo. Alors, on finit avec le dernier, et voilà pourquoi je vous ai cité Body Double. Alors, Requiem for a Beach. Alors, c'est peut-être aussi une référence, je vous traduis pas Requiem for a Beach, hein. On va éviter. Sûrement référence à Gainsbourg, mais surtout, et surtout en fait, à l'histoire de sa rupture avec son ex-petite amie ukrainienne. Et en fait, c'est aussi toutes les thématiques ouais, de cet album, et c'est pour ça qu'il a dû faire référence aussi au film de Brian De Palma. Requiem for a Beach. Pour les soirées de cet été, comme si vous étiez à Ibiza. Alors, je reviens sur les BD, et je vous en avais déjà parlé. Alors, il y en a d'autres, hein, que nous transférons à mes collègues d'Egypte-Jean, en tout cas, pendant toute la fermeture. Il n'y a pas que des BD, il y a aussi des livres hein, sur la musique, et voilà, tout type de documents en rapport avec la musique que nous allons transférer dans les autres bibliothèques et notamment au Gibjon. Alors voyez une autre sur Bowie. Et donc je reviens sur celle-ci, j'en ai parlé vaguement l'autre fois, mais je l'ai lu, j'ai trouvé ça très 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 drôle. Alors pourquoi retour à Liverpool pour ceux qui ne savent. Alors c'est très drôle. Alors on mélange la réalité et la fiction bien évidemment. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire des Beatles, vous savez que l'histoire s'est arrêtée en gros en 1970. Je veux dire pourquoi avec le Let It Be. Et puis en fait, forcément, les fans attendaient toujours un retour et une reformation en tout cas des Beatles. Et là, c'est le cas dans ce livre. Voilà pourquoi retour à Liverpool. Et c'est surtout qu'en fait, ils se font séquestrer par des fans, par des groupies. Qui ont toujours attendu 10 ans, 20 ans après. Et en fait, ils disent, mais vous allez nous refaire un album, les Beatles, c'est pas possible. Voilà. Et c'est très, très drôle. On y voit plein de personnages qu'on connaît tous. Eric Clapton, qui a d'ailleurs joué sur les albums des Beatles. On y voit Freddie Mercury, à un moment donné, où John Lennon, il dit, est-ce que tu veux bien que je vienne sortir sur un album? Il dit, avant tout, tu iras te faire limer les dents. Non, mais honnêtement, c'est très, très drôle. Je vous promets, c'est très drôle. Et c'est bourré de vérité. Alors, bien évidemment, c'est de la fiction. Mais alors, tout à la fin, par contre, tout à la fin, je vous montre quelques pages, mais complètement au hasard. Et je vous promets que c'est très drôle et n'hésitez pas à le lire. Alors, vu qu'il n'y a jamais eu reformation, tout le monde attendait vraiment. Mais en fait, tout à la fin de la BD, vous avez véritablement voilà ce qui s'est passé à partir des années 80 et durant toutes les années 90 sur justement les projets solo des uns et des autres, McCartney avec les Wings, Lennon qui écrit avec Yoko Ono et j'en passe, Harrison qui fait ses albums solo mais qui sont très très bons, Ringo Starr aussi, et voilà tout ce qui s'est passé, mais il n'y a jamais eu voilà forcément de reformation. Après vous connaissez la suite, de toute façon Lennon sera assassiné, suivra après la mort de Harrison et voilà, mais continue seulement surtout Paul McCartney à l'heure actuelle. Mais pour l'anecdote, je voulais revenir quand même sur deux des principaux derniers albums, puisque peut-être que vous ne le savez pas, mais souvent, en fait, le Let It Be, qui est ici, est considéré comme le dernier album, 12e et dernier album des Beatles. Eh bien non, une révélation. Oui, c'est le dernier album sorti des Beatles en 1970. Figurez-vous que cet album a été enregistré avant celui-ci. Abbey Road, oui, tout le monde connaît cette pochette. Une fois, on avait fait quelque chose avec David. Si un jour, on voulait qu'on vous retrace toute la symbolique de la pochette, il y en a beaucoup. Tout le monde disait qu'à l'époque, que McCartney était décédé, notamment, c'est pour ça qu'il était pieds nus. Il y a plein de symboliques au niveau de la plaque d'immatriculation. Bref, Let It Be a été enregistré avant 69, devait sortir en 69, et avant les titres de Abbey Road. Donc en fait, cet album qui est le 12e album des Beatles n'est pas le dernier. Mais si on pouvait revenir en avant, en fait, Abbey Road sera véritablement le dernier album enregistré des Beatles. Oui, Let It Be, pour ceux qui veulent, en fait, c'était un enregistrement qui se voulait retour aux sources, très rock et live. On entend les paroles, on entend les gens s'échanger. Et alors, depuis peu, a été redistribué sur Disney+, mais on peut le trouver peut-être ailleurs. En fait, toutes ces sessions d'enregistrement des Beatles,
qui ont donc, qui font partie, vous les voyez même, vous savez, sur le toit de l'immeuble et tout, vous les voyez en studio parler. Donc on retrouve en fait sur un documentaire qui devait sortir aussi en 69, on les voit enregistrer le fameux album de Let It Be, qui n'est pas le dernier album voilà, des Beatles, mais c'est Abbey Road. Ça va, c'était pas trop long, j'espère pour vous. En tout cas, bel été encore, n'hésitez pas. Et donc, comme nous sommes le 13, bientôt, je vous souhaite à tous un bon week-end du 15 août. 12. Je me trompe toujours, 12. En tout cas, il me semble qu'on va être bientôt lundi 15. Hein, lundi 15, quelqu'un va fêter quelque chose. Bibi. Voilà, donc bon week-end du 15 août et encore un bel été. Et puis, on se dit à très très vite pour de nouvelles chroniques. Bye bye, on se quitte avec le maître. Kiss.